Alors, ce commentaire, j'ai deux choses à dire. Déjà, il ne vous est rien arrivé niveau sécurité. Oui, c'est vrai. Je bois, merci, Dieu merci, il ne nous est rien arrivé. Après, on n'a rien pris de valeur. Regardez, j'ai même pas mon alliance qui pourtant coûte rien. J'ai zéro montre, j'ai rien pris, j'ai pas de bracelet, j'ai rien du tout. On n'a absolument rien pris. Des Donc, bracelets. oui, mais c'est pas des bracelets qui coûtent très cher, ça, chérie. C'est des petits bracelets à paradiane qui sont hyper mignons et justement qui coûtent pas très cher. Donc voilà, déjà à ce niveau-là, j'ai pas pris de risque. Et après, sécurité, c'est de votre faute. Si vous, en gros, c'est de notre faute si on se fait agresser parce qu'on snap des trucs de valeur. Alors, encore une fois, Dieu merci, ne nous est rien arrivé. Mais ça, cette mentalité-là, Lucie, c'est toi qui n'es pas normal de penser comme ça. Faut arrêter de dire la sécurité parce qu'en gros, c'est de notre faute parce qu'on snap des choses de valeur. Mais en fait, non, que ce soit nous les influenceurs, que ce soit peu importe qui, que ce soit le papy qui a économisé toute sa vie acheter sa petite Rolex qui n'a pas le droit soit de la montrer sur ses réseaux soit de se promener avec dans la rue, en fait c'est de penser comme ça que c'est pas normal. Et c'est si on a envie, en fait n'importe qui sur cette planète, si elle, cette personne est fière d'avoir acheté un nouveau bijou, une nouvelle montre, peu importe quoi, un nouveau sac, ah ben non, faut pas le montrer parce que sinon on se fait agresser. Donc c'est notre faute parce qu'on l'a montré qu'on se fait agresser. Ben non, en fait il devrait tout simplement pas y avoir d'agresseur.